il faut que je, si c'est possible de faire exactement ce qu'ils souhaitent, donc je fais exactement ce qu'ils souhaitent, mais des fois ils peuvent dessiner, voilà, quelque chose qui n'est pas réalisable en plissé. Donc je propose 2, 3, voire 4 propositions différentes qui s'approchent le plus. Pour faire un moule, d'abord je dessine le dessin qu'il faut faire. Après, avec mon os, je trace là où ça doit être cassé. Et une fois tout est tracé, je commence à casser le moule. Et quand tout est cassé, il faut juste former, il prend la forme qu'on a dessinée. Donc le moule, il est prêt. Et après, on peut mettre tissu ou cuir dedans pour travailler. Il n'y a pas école, il n'y a pas formation. Ça n'existe pas une formation pour plisseur. Parce que quand cette industrialisation est arrivée, tout le monde travaillait avec des machines. Mais les machines, ils ne peuvent pas faire des, voilà, des plis de cette nature-là. Les machines, ils font des plis qui sont tout droits, par exemple 3 mm d'un côté, 3 mm de l'autre, voilà, 3 cm, 3 cm. Mais par exemple, les plissés soleil, tout ça, on est obligé de faire à la main, il faut faire des moules. Donc j'ai appris avec mon premier patron qui était dans le chantier, plissé Yerbis, j'ai appris à faire des plissés soleil. Qui se faisait à la main, il fallait faire avec des cartons des moules pour plisser soleil, des plissés soleil simples. Et après, quand je suis allé chez Monsieur Lognon, dans les ateliers Lognon, voilà, là j'ai appris faire des moules de fantaisie qui dataient de son grand-père, qui étaient assez abîmés, qu'on n'utilisait pas. Il y a de plus en plus de monde qui tourne vers moi, surtout des architectes intérieurs. Voilà. Juste à côté de moi, c'est des architectes qui travaillent. Quand ils ont vu, ça les a intéressés. Après, c'est pour faire des sacs, pour faire des chaussures. Voilà. J'apprends presque tous les jours. Des fois, il m'est arrivé qu'on m'a demandé des choses. J'ai mis 2 voire 3 jours pour réfléchir, pour trouver la bonne solution, comment je peux faire cette moule ou cette dessin, parce que des fois on me demande des trucs assez carrés, voilà. C'est pas toujours des lignes tout droites. Des fois il faut dévier, voilà. Par exemple, quand il faut faire des moules ronds, voilà. Est-ce qu'il est rond, est-ce qu'il est ovale, voilà. Ça dépend, voilà. Il faut trouver la bonne solution. Moi, ça fait presque 30 ans que je fais ce métier, donc, mais je ne sais pas tout faire. On apprend tous les jours, il y a des nouveaux stylistes, modélistes qui arrivent, et avec des nouvelles idées, tout ça, et il faut suivre. Quand ils m'ont parlé du projet que c'était la queue de Léviathan, donc, comme c'était dans l'Ancien Testament, donc, je connaissais un peu l'histoire, donc. Ils avaient déjà une idée assez fixe, si vous voulez, qu'ils voulaient faire. J'ai essayé d'amener ma touche, voilà, cette dernière partie, j'ai un peu insisté pour qu'on fasse ça, parce que voilà. Et je pense que ça sera un bel projet, donc voilà.